Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be all. En train de modifier le chapeau de notre tante. Parce que souvent, le chapeau aussi, il y a une grosse embout qui sort. Quand elle roule, quand on monte l'ancre, ça l'accroche à notre bar roller, à notre rouleau. Puis ça peut endommager notre rouleau, vu qu'il est en del round, là, c'est un plastique dur. Fait que ce que je fais, j'y coupe l'embout ici. Mais j'y perce un trou quand même pour pouvoir le poser un mouse wire pour pas qu'il se défasse en entour, en stainless. J'entends grinder ça. Exemple, là, mais c'est pas, dans le fond, c'est pas la vraie broche qui va là, là. Ça, ça va aller masser comme ça au travers. Hein. Pour pas qu'il se défasse. Ah, ouais. Oh, avec le bout, tu vas les twister. Ouais, ils vont les twister ici. Je peux pas mettre de swivel. Il y en a qui ont des swivels non, okay, pour redresser là. Ouais. Pour tourner l'enfant. Ouais, pour tourner, ouais. C'est tout le temps ça qui est plus faible, c'est tout le temps ça qui brûle. Il y en a qui disent que tu n'as pas besoin d'un swivel. Si ton oncle, si ta chaîne ne twist pas, des fois ton bateau change de bord, d'une infection. Ton oncle, la chaîne elle commence à twister. Il y en a un gros qui dit qu'elle va détwister. Nous, quand elle sort de la boîte, elle va se détwister. Si ta chaîne ne twist pas, tu n'as pas besoin de swivel. Donc, on va voir. Comment j'ai monté à mettre un shackle, c'est ça qui est plus solide là, directement. Ça de Zidi Crosby. Parce que la slot dedans est assez grosse pour recevoir un shackle d'une demi, mais la chaîne elle peut juste recevoir un shackle de cette size. Non, c'est pas mettre de swivel. On verra bien si on a besoin plus tard. Projet bateau terminé. C'était pas un gros projet, mais c'est pas grave, on avance dans nos projets. Est-ce que tu viens à tuer quelque chose qui a rapport au bateau pareil? Ouais, David était content d'avoir son encre. Ah oui. Après ça, il faut faire une braquette pour tenir ça au bord. On va aller de même. Ouais. Et on tient la radio au bord. C'est deux plaques d'aluminium avec un genre de bleu de plastique entre. On va juste le centrer dans le. C'est plus possible.
On continue nos petits projets bateaux. Vu qu'on ne peut pas aller sur l'USCA maintenant, ben on en profite pour faire des petits projets qu'on voulait mener à terme avant de partir. Donc, pour ma part, j'ai acheté une bannière que j'ai trouvée sur Amazon pour 28 $ avec toutes les îles des Caraïbes, avec chacun leur drapeau. Donc, j'ai trouvé ça sur Instagram. C'est une fille que je suis. Elle a également un blog. Je vais mettre le nom puis dans la description en bas. En fait, c'est Archipel Gaucel. C'est elle qui m'a donné l'idée, en fait, de faire ça. Donc, la bannière, on l'achète sur Amazon au coût de 28 $, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, bon, on a tous les drapeaux des Caraïbes. Point de vue qualité, je vous dirais que c'est très, très mince. C'est sûr que ça va finir par se déchirer avec le vent et tout ça, mais je pense que ça peut quand même faire l'affaire pendant un moment. Donc, j'ai inscrit sur chacun des flags le nom. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Walmart. Je suis allée me chercher des petits rivets comme ça que je vais installer sur chacun d'eux. Je vais en installer en fait deux par drapeau, comme ça ici. Je vais en installer deux par drapeau. Je vais couper entre chaque, puis je vais avoir en fait toutes les flags des Caraïbes au lieu de les acheter à la marina. Je pense que c'est assez dispendieux aussi, c'est ce que je me suis fait dire. Donc nous, on va être prêts. J'ai terminé mon petit projet. Je suis super contente du résultat. Ça a moins pris de temps même que ce que je pensais. Par contre, je suis certaine que mon capitaine va me dire que j'aurais dû marteler ailleurs que direct sur le ciment pour pas faire des petites bosses sur mes rivets. Ou que j'aurais dû mesurer la distance entre mes rivets pour être certaine d'avoir toute la même, là. Mais moi, ça me dérange pas. Tant que c'est efficace et que ça fonctionne, ça fait mon affaire. Aujourd'hui, je suis allé à Conam. Je vais faire un similaire de fibre de verre qui est donné par Germain Gobeil. Je crois que ça va être une bonne connaissance à apporter parce que moi, j'ai aucune expérience dans la fabrication ou la réparation de fibre de verre. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va voir ça. Ce qu'on va voir ce soir, c'est quoi la fibre historique, comment sont construites, vous voyez, les fibres, les résines, les armes, les additifs, les outils, le matériel, etc.